Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo Nail Art, ma toute première sur ma chaîne. Donc avant que cette vidéo commence, je vais déjà vous présenter avec quoi je vais faire mon Nail Art. Donc c'est des petites plaquettes comme ça, avec des motifs dessus. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc c'est un test, hein, je ne l'ai jamais testé. Nous allons mettre du vernis dessus, sur les motifs. Nous allons avec ces petits engins racler, enlever le surplus de, on va dire, de ce qui reste, comme ça pour bien que ça s'infiltre dans les trous. Et après, avec ce petit tampon, rose, nous allons tamponner, enlever. Normalement, ça se tamponne ici. Et normalement, on peut le tamponner sur nos doigts. Donc, c'est un test. Je n'ai jamais testé de ma vie, mais ma copine dit que ça marche, mais pas. Donc, nous allons tester. Suivez-moi. C'est parti. Donc, pour commencer ce nail art, je vais utiliser cette petite merveille. Cette petite merveille, comme je disais. Vraiment trop beau. C'est mon vernis préféré. Donc, c'est du violet. Pastel. Bon, de toute façon, vous le verrez. Donc, d'abord, je vais m'appliquer du violet sur les doigts et on se retrouve juste après. Bisous. Donc, je vais venir appliquer mon vernis sur mes doigts. Donc, oui, mes doigts sont dégueulasses. Il y a quelque chose qui vient de tomber dans mon bureau, mais je m'en fous. On se retrouve dès que j'ai fini. Ça va être un peu long. Donc, voilà, j'ai fini de vernir mes ongles. Donc, c'est une petite merveille. Sauf que la main gauche est très mal faite. Parce que vous pouvez voir. Parce que je suis droitière. Donc, la main droite est mal faite parce que je suis droitière. Donc, nous allons commencer tout de suite. Donc, les petites plaquettes, je vais les faire avec mon vernis un peu galaxie de Chemiscope. Donc, j'ai choisi la plaquette qui me plaisait. Donc, j'ai choisi ce motif-là. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, comme je disais, voilà. Bon, je ne sais pas si ça va marcher parce que ce vernis, il faut savoir qu'il est super épais. Mon premier test, tu vois. Voilà, avant que ça sèche, je vais prendre le petit racloir. Bon, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Maintenant, je prends le tampon et je vais venir tamponner très fort. Ah ! C'est mis. Bon, alors... Oh, c'est trop beau. Oh, vraiment. Vous voulez voir ? Voilà. Oh, j'adore. Je trouve ça trop. Oh, j'adore. Donc... test 1, réussi, sauf que maintenant, il faut que je m'enlève le contour. Ah, je suis trop contente! Ah, c'est trop beau! Bon, bah, ceux qui aiment, mettez un pouce bleu, hein, surtout. Mettez des pouces bleus, c'est important. Donc, c'est marqué après, après avoir l'utilisation, faut prendre du dissolvant. Et tout racler, en fait. Tout enlever. J'en fous partout là. Donc je vais enlever. En fait, c'est marqué qu'il faut enlever tout sur les outils, tout. Ah, je trouve ça trop beau ce motif. Mais quand même, on va un peu changer de motif, je pense. Je suis en train de tout nettoyer, tu vois. C'est bon. Bon, maintenant, on passe au prochain motif. Je me suis dit, avant de faire le prochain motif, je vais quand même m'enlever ce qui me reste sur les doigts, que vous pouvez voir. Donc, je vais prendre mon petit dissolvant. Donc, je vais en prendre en dessous parce qu'il y en a en dessous. Mais sinon, c'est bon quand même. Voilà, je dois en avoir normalement. Et je vais venir avec mon petit pinceau enlever et racler. Ah, je trouve ça trop beau. Voilà, maintenant je vous présente mon tissu. Je viens de dire mon tissu, mais c'était mon motif. Donc j'ai choisi, comment vous le montrer, celui-là. Robin, je vais vous montrer la caméra. Celui-là, pas celui du haut.
Donc j'espère qu'il va vous plaire. Donc je fais toujours avec celui de chez mes copains. Donc, comme je dessine, je vais dire ça à chaque fois. Donc celui-là, j'ai dit. Ce vernis, il marche bien, je trouve. Donc, je viens racler. Voilà. Je mets ça sur un coton-tige. Voilà. Maintenant, je vais venir tamponner. Voilà, ça va, ça a pris. Maintenant, il faut l'appliquer sur les doigts. Je vais l'appliquer sur le pouce. Oh, trop beau. Ah, mais c'est trop. Oh non, sauf que là, je ne l'ai pas fait droit. Attends, est-ce que je peux le coller? Ah, mais quand même, c'est trop beau. Vous voulez que je vous montre? Eh ben, je vais vous montrer. Regardez, voir ça. Attendez, vous voyez pas bien parce qu'il y a le soleil. Bon. Attendez, je vais vous baisser l'écran. Voilà. Je sais pas si vous voyez beaucoup, mais voilà. Je pense qu'on va passer. Je pense que je vais faire un autre motif sur mon autre main. Donc c'est parti, suivez-moi. Donc j'ai choisi un motif un peu particulier. Parce que le motif que j'ai choisi, c'est des fleurs. Comme ceci. Je vais vous le montrer. Ces fleurs-là. Je ne sais pas si ça va marcher avec des fleurs, mais on va tester. Donc, encore. On va encore le faire. Quelles sont mes fleurs? Oh bah c'est pas le bon. Je suis gavante, hein. Voilà. Même que je suis saoulante. Celui-là, je pense que je vais faire sur le pouce parce qu'il est quand même assez grand. Je pense pas que je vais tout utiliser parce que mon pouce est très petit. Faut savoir. Donc, on va les laisser plus. Donc ça, déjà, ça, je l'ai trouvé au marché des affaires. Hein. Pas de placement de produit, mais voilà. Ah, ça a bien pris. Bon, attends, va falloir. C'est très moche. Sur ce, ça va encore. Ouais, bah, je vais le garder. J'aime bien. Bon. Ça va, regardez. C'est pas moche non plus, hein. Bon. Bah, maintenant, on passe. On va faire juste un dernier doigt. Pour ce dernier doigt, j'ai choisi un flocon. Comme ceci. J'espère qu'il va vous plaire. Bien évidemment, on va refaire la même étape. Donc, je pose ma petite plaquette. Je prends mon vernis. Hop, je prends le flocon que j'ai choisi. Là. Donc, je vous l'ai pas dit, mais j'ai des ongles vraiment pourris. Mais vraiment pourri de chez pourri. Ça, sur mon coton. Il ouvre d'un pot. Mon doigt. Oh, crotch, c'est raté. Vite, enlève-toi. Oh, crotch, j'ai raté. Bon, je vais le recommencer. Bon, bah, du coup, je me suis remis une couche. Donc, on va recommencer encore l'étape. Bon. C'est lequel déjà le flocon que je voulais? Ah oui, parce qu'il y en a deux quand même. Donc, hop, voilà. On bouche, on prend le petit racloir, on racle, on prend le petit tampon, on tamponne. Ah, il est bien. Très bien. Je pense pas que vous voyez, mais voilà. Voilà, parfait. Ah, je suis contente. Vraiment très contente. Bon, bah j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, mettez un big pouce bleu, abonnez-vous et mettez un commentaire.